Bien. On peut peut-être encore les rattraper. Sale temps. Merci pour ton aide. C'était pas gagné. Heureusement que je t'ai accompagné. Sans moi, ça serait passé, hein. Allez, admets-le. Je l'admets. Il nous attend. Tu es tenace, Doin. Gérald, je pourrais... Recule. Arrête de me donner des ordres. Je me demande combien de temps tu vas tenir. Yeah!
faire, ça c'est... J'ai cru. Tu as mal cru. Jetons un œil. C'est le laboratoire de l'elfe. Ouvre. Bon, voyons ce que dit le message. Plus irréel, cet endroit n'est plus sûr. Pars d'ici sans tarder. Ne fais confiance à personne, et surtout pas aux sorcières du marais de Torséchil. Essaie d'atteindre le lieu de notre dernière rencontre. De notre dernière rencontre. C'est un peu maigre comme indice. Chier. Il est peut-être préférable que son message soit cryptique. La chasse sauvage est passée par ici, ils ont sûrement vu la projection. Ils ont fouillé partout. S'ils avaient eu plus de temps, ils auraient certainement rayé cet endroit de la carte. Ça ne change rien au fait qu'on en est toujours au même point. Rien de neuf au sujet de l'elfe ou de Ciri. Au moins, nous savons maintenant qu'ils se connaissaient bien, et qu'ils voyageaient ensemble. Les sorcières du marais de Torsépine. Non, Torséchil. Kira, je te préviens. Si tu me caches quelque chose... Mais je n'ai pas dit que... Tu les connais, ces sorcières ? Je ne les ai jamais vues, mais... j'ai trouvé un vieux manuscrit à leur sujet dans l'une des huttes du village. Ils racontent que les sorcières de village s'aventurent parfois dans le marais pour jouer les intermédiaires entre les villageois et les moires. Les dames de la forêt. Les moires détestent les étrangers, mais elles protègent la région. Apparemment, ce sont elles qui auraient éradiqué l'épidémie de Vélène. Je vois. Et tu en penses quoi ? J'aimerais y voir de simples contes de bonnes femmes, mais... j'en ai rapidement eu le cœur net. Les premières semaines après mon arrivée à Vélène, j'ai fait d'horribles cauchemars. Quelque chose m'appelait dans le marais. Une nuit, j'ai décidé d'entrer dans mon rêve consciemment. J'ai confronté... la chose. Elle a tout de suite rompu le contact, et mes nuits sont redevenues paisibles. Comment trouver ces sorcières ? Les marais sont vastes et dangereux, mais les moires marquent le chemin pour les paysans qui veulent leur rendre visite. Le manuscrit mentionne un hôtel dans le marais de Torséchil. À partir de là, il faut suivre le Sentier des Douceurs. Le Sentier des Douceurs ? Suis-je bête ? On ne vous lit pas de contes à Kaer Morhen. Le premier paysan venu te dira que les sorcières vivent dans des maisons de pain d'épices montées sur des pattes de poulet. Je le croirai quand je le verrai. Prends ce livre et lis-le. Je crois sincèrement que tu trouveras ta sœur. Bien. Commençons par chercher un moyen de sortir d'ici. Bonne idée. Ah, nous perdons. Thank you.
étrange. Mon médaillon vibre, mais je ne vois rien. Qu'est-ce qui cloche avec ce mur ? C'est une illusion. Je l'ai senti, moi aussi. Je m'attendais à ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai ramené ceci. Qu'est-ce que c'est ? Un œil donné à Lenny. Il dissipe les illusions. C'est facile à fabriquer. Tu peux garder celui-ci. Il te servira sûrement. Ça te fera un petit souvenir de moi. Merci. Facile, non ? Voyons où mène ce passage. Tu sens un courant d'air provenant de la gauche ? Il doit y avoir une issue quelque part. Bien. Allons-nous-en. Attends. Et la lampe magique ? Quoi tu parles ? La lampe. L'elfe me l'a promise en échange de mon aide. Comme je doute qu'il revienne, je vais me servir moi-même. Enfin, si j'arrive à la retrouver. Tu veux bien m'aider ? D'accord, je vais t'aider. Formidable. Allons-y. Elle a plein. Nous allons forcément trouver quelque chose ici. Ah, ça m'a tout l'air d'une autre énigme. Il y a une inscription par ici. Quoi ? Tu pourrais me traduire l'inscription ? Je peux me tromper, mais le peu que j'en comprends n'a pas le moindre sens. Donne-moi un instant. J'ai jamais été très doué pour la langue ancienne classique. Bon, voilà. Je te préviens, c'est un peu littéral. Je suis incapable de rendre justice aux rimes internes du texte. C'est sans importance. Vas-y, je t'écoute. Quatre gardiens. Quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. On dirait une énigme. Bon, essayons de trouver la La torche s'est éteinte. Quelque chose. Il y a du mouvement derrière ce mur. Deviner le bon ordre. Quatre statues en tout point identiques. Ça a marché. À qui peut bien appartenir cette tombe ? Elle ne porte pas la moindre inscription. Le signe de la mouette. Si je ne savais pas déjà où elle est enterrée, je dirais qu'il s'agit du sépulcre de Lara Doran. C'est peut-être un monument en son honneur ? Je vois mal les elfes ériger un monument à sa gloire. Pour certains, elle est l'héroïne d'une légende tragique, mais la plupart d'entre eux la voient comme une traîtresse, et pensent que son destin est une juste punition pour avoir épousé Kriganan de Lod. Le mage elfe est peut-être un descendant de Lara. Ça expliquerait pourquoi il aide Ciri. C'est possible.
C'est ça que tu cherches? À quoi ça sert, au juste? J'espère que je parviendrai à l'activer. Fichons le camp d'ici. Il était temps. Enfin, ça en valait la peine, non? Tu as tout de même appris quelque chose sur Ciri. Si jamais tu t'aventures dans le marais de Torséchin, viens tout me raconter à ton retour. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Écoute, Geralt, il y a deux types d'hommes. Ceux qui saisissent la chance quand elle passe, et ceux qui la provoquent. J'ai toujours pensé que tu étais plutôt du genre à la provoquer. En plus, j'ai une faveur à te demander. Alors, passeras-tu me voir ? Oui, je n'y manquerai pas. Dans ce cas, je t'attendrai. Au revoir, Kira. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Chez les ennuis. Du nerf, arrête. Ah !
Allez, U. Allez. Tu veux que je te botte le cul ? On y va. Y a pire. Une bolée de cidre, à l'écaille. Montrez. Plus vite. Quel mot je vous applique. Halt. Doucement. Le baron est là? Ça dépend pour qui. Un sorceleur qui veut lui parler. Et moi je veux trousser la jolie reine Cero. J'ai déjà vu ce gars-là. T'étais à l'auberge de la croisée des chemins, un peu plus tôt. T'étais pas censé reprendre ta route sans faire de vagues. Elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi ? Un sujet important. Et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Sergent ? Ardan, un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues, c'est bien compris ? C'est bien compris. Le garde vous a appelé sergent de l'armée de Téméria ? Pas vos oignons, mon gars. Déserteur ? Il n'y a plus d'armée de Téméria. Alors que faites-vous tous ici ? Quand on s'est fait massacrer par les escadrons noirs, on a eu le choix entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale, ou résister, allier la guérilla et défendre notre Téméria bien-aimée jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron. Ouais, sous ses ordres. Hey, en quoi puis-je vous aider ? À quoi vous jouez ? Je jetterai bien.
revoir. Il a plus d'oreille gauche. Il reste plus qu'à briller. En quoi puis-je vous aider ? Qu'avez-vous à... Vous avez un accent intéressant. Vous êtes originaire de Skellige ? D'Artskellig. J'ai passé mon enfance à Limstein. Pourquoi êtes-vous parti ? J'ai toujours été passionné par les forges. Je passais mes journées à observer et à apprendre. La chaleur du fourneau, l'odeur de l'acier chauffé à blanc, le tintement des marteaux. À 17 printemps, mon père m'a dit qu'il n'avait plus rien à m'apprendre. Il m'a envoyé sur les routes pour parfaire mon art. Après quelques années, j'ai été admise à la maîtrise. Puis la guerre a éclaté et je me suis retrouvé ici. Prenez soin de vous. Hey. Hey. À quoi vous jouez ? Un petit coup d'œil à nos articles. On sait. Montrez-moi. Adieu. Je vais vous dire, monsieur, c'est l'enfer. Un vrai cauchemar. Les copains se le sont partagés. Il y a des longtemps, des samovilas, des fumabous, c'est ce que j'aurais fait. Volants, des crochets, orques, et même des chauffeurs. Essaye de mourir avec un peu de dignité, au moins. Oh. Ah, les pales de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. Oh ! Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé ? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. Rumeurs et réalité font rarement bon ménage. Surtout à propos d'un étranger. Très juste. Je suis... Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur.
Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Pourquoi pas? Voilà qui est parlé. Voyons. Voltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous, Velen? Je passe. Marais, bourbier, tourbière, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaqué avant le village. C'était moins une.